Pas encore. On a besoin de l'autre tour pour compléter le traçage. Qu'est-ce que t'en dis? On met Marcus au courant? Je l'appellerai depuis le skiff. Allez, on se casse d'ici. Bien, on doit y aller. Des tourelles. C'est drôlement sécurisé pour une tour radio, non? J'en sais rien. Comme si je bossais ici. Je pense qu'on peut sortir par là. Ça fait une tour de moi. Ouais, on n'a pas de temps à perdre. Tu regrettes toujours pas d'être là? Quoi? Tu plaisantes. J'aurais raté ça pour rien au monde. J'adore me geler les miches en faisant du skiff. Dis-moi, je voulais savoir, à propos de Faz, il a toujours été comme ça? Ouais, toujours. Il faut toujours qu'il soit le plus coriace, le plus fort et le plus rapide. Mais pas le plus malin, hein? Dans ce domaine, et dans ce domaine seulement, il se voit tel qu'il est vraiment. On doit descendre par là. J'arrête pas de penser à Niles et à ses expériences. Ouais, imagine ce que ferait un Pékin lambda s'il apprenait le quart de ce qu'on sait. Ça explique que les ministres aient tous étouffé l'affaire. Même Anya. Et pourtant, j'ai jamais connu une personne plus honnête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À qui on se confie? À personne, je dirais. À quoi bon? Les responsables sont tous morts. Donc, on fait comme Anya. Rien. Jack, impulsion. Ouais, ouais, ça me va très bien. Marcus, on a trouvé une partie des données. Reste à trouver une autre tour. Beau travail, mais n'oubliez pas. S'il y a bien un laboratoire au Mont Calard, et s'il a pu rester caché pendant tout ce temps, c'est qu'il y a sans doute une bonne raison. Compris. On se tient au courant. Del et
si on découvre quelque chose de vraiment moche? Il faut s'y attendre, et tu le sais très bien. Ouais, mais imaginons que ce soit vraiment le pire scénario. Ok, et à quoi tu penses? Franchement, découvrir que Niles Samson était mon grand-père. Moi aussi j'ai envisagé le pire, mais là, tu décroches la palme. Kate, on y est! Allez, on descend! Del, une station. On va jeter un œil? Ouais, allons-y. Regarde, près de la porte. Il y a un message. Ces étrangers se sont fait attaquer ici aussi. Apparemment, Norsco a fini dans une cosse, alors Lena l'a enfermé là-dedans. Merde. Ils ont vraiment pas eu de bol. Elle dit qu'elle est partie pour une tour radio au sud-est. Il faut qu'on la trouve. Je me demande quand la température va cesser de chuter. Tu m'étonnes. Je rêve de prendre des vacances après tout ça. À ta place, j'y compterai pas trop. Et voilà l'autre tour. Elle aussi a l'air plutôt en bon état. Allons voir ça. Kate, j'ai une question à te poser avant qu'on aille plus loin. Est-ce que Lena a déjà fait des trucs bizarres? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle avait cette amulette? Je me pose les mêmes questions. Il y a plein de choses qu'elle m'a jamais racontées. Comment elle a rencontré mon père, pourquoi elle a jamais connu sa mère. Tout ce qu'elle disait à propos de son père, c'est qu'il était méchant. Juste merde, plante-toi! Il y a de la vermine devant. Bon, on a un tas de vermine sur de la glace qui est prête à céder. On les défonce! Au fond, un sniper. On les a eus. Ces saletés sont beaucoup plus nombreuses que je l'imaginais. Oh, tu sais, je m'attends à ce qu'ils soient partout. T'as sûrement raison. Bon, allons dans cette tour. Bien, je vais te donner un peu de boost. Tu m'as tué! Tu m'as tué! Pas
tuer. Je pourrais te faire confiance. Je pourrais te faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, j'ai été déconcentrée. Regarde ce que j'ai trouvé. Marcus, t'as des infos sur un condor qui se serait écrasé? À vrai dire, les rafales en ont abattu plusieurs dernièrement. Il y a sûrement du matos dans les épaves. Bien sûr, on va jeter un œil. J'ai un coffre pour toi, Jack. Putain, j'attendais à voir plus de devbots que ça. Le vol était peut-être pas complet, ou alors... ils se sont fait la malle. Eh ben, on a trouvé des trucs intéressants. Bien, allons à la tour radio. On a presque atteint la tour. Allez. Je crois qu'on vient de trouver la cargaison du Condor. Élimine-les! Et on a un bastion aussi! Hey! Je t'ai eu. Kate, ce bouclier est trop costaud. Détruis le bastion. Une pauvre blague ici. J'ai eu trop. C'est bon, la mare est dégagée. Merde, je déteste ces gardiens corrompus. Allez, on va jusqu'à la tour. Par ici. Notre vigie. Cool. Yeah.
arrive. Allez, retour au combat. Del, tu vas bien? Voyons voir. Je vais vérifier. Je sais plus où on est. Ni ce qu'on est censé faire d'ailleurs. Mais à part ça, ouais, tout va bien. Qu'est-ce qu'une vigie pouvait bien fabriquer au milieu de nulle part? Rien de bon. Bon, allons voir si on peut assurer le relais entre toutes ces tours. Ouais. Del, t'es parasité. Fais gaffe, ils sont activés! Ça va marcher. Aide-moi à ouvrir ça. Au moins, ça ressemble beaucoup à l'autre tour. Ça doit être ici. Ouais. Utilisons la console. Comme dans l'autre. Vas-y, Jack. Accès non autorisé. Protocole de sécurité activé. Ok, c'est ennuyeux. On s'inquiétera de sortir d'ici une fois qu'on aura les données. Je dois chercher une transmission qui correspond aux autres signaux qu'on a trouvés. Là, j'ai un résultat. Ça doit être le labo. On a assez de données pour le trouver. On doit les analyser de plus près, mais oui. Tu peux le dire à Marcus ou je le fais? On n'a qu'à retourner au skiff. On l'appellera en route.
Jack, ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Un atelier? J'ai quelque chose. Un brouilleur spectral. Oh, j'ai une idée pour Jack. Regarde, le camouflage de Jack peut aussi nous rendre invisibles. Invisible, hein? On va peut-être essayer. Jack, disparaît. Del, allons-y. Bien, ce problème-là est derrière nous. On a un nouveau joueur. Allez, retour au skiff. Pas si vite! Sniper droit devant! Si seulement on pouvait trouver un moyen de devenir invisible! Tout à fait d'accord! Allez, on va se les faire! Camouflage! C'est bon, on les a tous eus. Redescendons la colline et retournons au skiff. Ok. T'es prêt pour le labo? Ouais, j'ai jamais été aussi prêt. Écoute, j'ai un truc à te demander. Tu dois obtenir tes réponses. Ouais. Et après? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu me demandes au juste? Écoute, je sais qu'appartenir à la CG1 ne t'enchante pas vraiment. Et si t'as peur que je m'enfuie ou un truc du genre? Non, j'ai pas peur que tu t'enfuies. Ah non? Eh ben, tu devrais peut-être t'inquiéter, au moins un peu. Oh, super. Il faudra mettre Marcus au parfum une fois qu'on sera au skiff. Ok, mais j'ai une autre question à te poser. Si t'étais parti, tu serais allé où? Avant l'infestation de vermine ou après? Avant. Quelque part en bord de mer. Et après? Dans un bunker, à 5 bornes sous terre. Ok. T'as de la place pour l'invité? Et tu fais quoi de Jack? Oh, lui, il prend pas beaucoup de place. Et toi, t'irais où? Figure-toi que j'en ai pas la moindre idée. N'importe où pourvu qu'il n'y ait pas de neige. Marcus, on a une position. S'il y a un laboratoire au Mont-Cadar, on va pas tarder à le savoir. Ok. Je sais que je me répète, mais cette montagne était une vraie fourmilière. On sait pas ce qui vous attend là-bas. Alors promettez-moi de me tenir au courant si jamais vous tombez sur un os. T'inquiète, on se débrouille pas mal pour l'instant. Delta, terminé. Hé, hey, regarde cette faille! Il y a quelque chose là-dessous! Hé, hey, on approche de l'objectif! Une minute. Il n'y a rien ici. Ouais. Là, je piche plus. Regarde, les données correspondent. On est au bon endroit. Jack pourrait peut-être, je sais pas, trianguler le signal avec une impulsion. Ça se tente. Jack, disparaît. Allez, Jack, impulsion. Jack, on a besoin de toi. Envoie une impulsion. Jack, camouflage.
Allez, Jack, impulsion. Jack, on a besoin de toi. Envoie une impulsion. Jack n'est pas prêt. Allez, Jack, impulsion. Jack, on a besoin de toi. Envoie. Ça alors. Il y a quelque chose sous la glace. Bien joué, mon grand. C'est sûrement ce qu'on cherche. Mais comment on fait pour descendre? Bonne question. Une couche de glace pareille, c'est du béton armé. Si jamais ça peut vous aider, Baird prétend qu'il y a une ancienne mine dans le secteur. Qui dit mine, dit explosif et détonateur. Je transmets les coordonnées à Jack. Merci, Marcus. Effectivement, ça pourrait régler le problème. Cap sur la vieille mine.